Hey, bienvenue les amis. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec moi, oui moi, le Kyo, le grand prêtre Meletios III de la grande prêtrise hellénique, qui dirige l'Athéna Empyrus Malusus Vibranus, et je suis accompagné de Vibranus, t'es sûr? et oui, évidemment, toujours. Je suis D'accord. accompagné de la despote Sergia de Sparte. Comment vas-tu? Oh là là, c'est l'heure de la guerre. Eh ben, écoute, la On va prendre guerre. Frioul. On va prendre Frioul. Ah bah oui, Oui, là, Frioul. la prise de Frioul, elle C'est va défait. être, elle va être, elle va pas être frileuse, hein, entre guillemets, de mon côté, hein. Je suis en forme aujourd'hui, c'est bien. J'espère que ça se. J'espère que vous en profitez parce que dans 3 minutes, je sais que en fait, je vais arrêter de parler, que je vais être complètement crevé. Donc profitez-en. Il va s'endormir, voilà. Là, j'ai failli ronfler, mais en fait, je me suis rendu compte à la dernière seconde que c'était moche. Donc je ne l'ai pas Oui, fait. c'était moche au micro. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas faire semblant De ronfler, il va faire vraiment, il va vraiment ronfler. Exactement, avec des vrais, un vrai taux de ronflement. Vous êtes pas prêts, les gars. Par décibel. Et là, c'est, on se rend compte qu'on parle de n'importe quoi et qu'il faudrait quand même vraiment commencer l'épisode. Quoi? À quoi Ouais. on jouait pas là? On n'était pas en train de jouer, hein? Je sais Et on se rend compte qu'en fait, on... Attends, j'ai pas envoyé mon armée attaquer et qu'on perd la guerre. On perd la guerre, quoi? Au moins, le pape est chez nous, dans l'épisode, hein, qui est où, Oui, exactement. Le pape, c'est notre petite. Vassal. Notre vassal, exactement. Oui, je préfère. Quand même Oui, qui moi est les aussi. enfants qui regardent. Oui, c'est vrai. Le pape nous apprécie. Enfin, pas du tout, Les apprécie, mais oui. le pape est là. Mais pas du tout. Ne perdez pas confiance. Votre place au paradis, tout ça, tout ça. Bon, par contre, là, ils arrivent, les méchants garçons, là. Enfin, quoique, s'ils sont en train de perdre de l'attrition comme ça, moi, ça me va, hein. Allez-y les gars, perdez de l'attrition. Moi pendant ce temps-là, je gagne de l'attrition. Oh là là. Moi ça me fait plaisir cette histoire. Voilà. Bon, Favali, comment Trop vas-tu? puissant. Je t'avais dit, Trop 30 puissant, secondes plus bref. tard, ça y est, je ne dis plus rien. C'est terrible cette histoire. 30 secondes plus tard, je suis Ah, c'est déjà en bien. train de dormir. Mais c'est pas à cause de vous, les abonnés, vous inquiétez pas, hein, c'est ce qui fonctionne comme ça. Exactement. Le Kyo Je suis un homme a qui un fonctionne. allumage très rapide, mais s'éteint très vite. Ouais, Il faut c'est recharger le les batteries. sprint de la vie, mais du coup, je passe 90% de mon temps à me reposer. Voilà. Ceci est la fin de la vidéo. Ah déjà? Ah bah écoute, bon Ça bah. va Bon bah vite, les hein? gars, hein, donnez-nous de l'argent, voilà. On a notre lien sur PayPal Regarde. dans la description. Alors, les N'hésitez pas, abonnés hein, n'apprécient pas. Alors, autant te dire, les abonnés n'apprécient pas tout ce qui est assassinat, meurtre ou demande d'argent. Je suis désolé, mais bon. Ah bon? Oui. Bon bah. Ah bon? À croire finalement que les abonnés seraient des personnes douées d'une Tout à fait véritable. normal. Voilà, exactement. C'est vraiment bizarre. D'accord. Très bien. Après, pourquoi Très pas, bien. hein, moi je ne juge pas, hein, mais. Pareil, Mais c'est t'inquiète. bizarre. Est-ce possible? Oh mon Dieu. Quelle est-ce? Magie noire? Moi je pensais que les abonnés ils venaient tous du Gabon, c'est tout. Je pensais pas qu'ils D'accord. avaient je pensais pas Une âme. qu'ils allaient nous Qu'ils allaient? Non, c'est une blague que j'avais envie de faire mais je sais pas si c'est en fait, je Non, sais pas où je vais non. avec cette blague. Je ferais mieux de me Calme-toi. taire. Calme-toi, calme-toi. Je suis en train de partir absolument n'importe où. Voilà. Oui, c'est bien. Voilà, je La suis un homme Sardaigne, parfait. est-ce qu'on a besoin de la Sardaigne pour créer l'Empire romain? Attends, on va Et aussi, regarder avoir ça tout de l'Italie. suite. On va regarder Pour ça tout détruire de le pape, suite. il paraît qu'il faut toute l'Italie. Du coup, normalement, il nous faut la Sardaigne aussi pour l'Italie. Est-ce que la Sardaigne fait vraiment partie de l'Italie, tu vois, politiquement Oui. parlant Oui. Mec qui essaie de négocier en Alors plus. oui, on peut. Voilà. Vas-y, oui, Il vas-y. faut la Sardaigne, du coup. Oui, voilà. La Sardaigne est à nous. Mais il nous la faut là, ou pas? Parce que s'il n'y a pas Alors, il besoin, il n'y nous a pas faut besoin. le contrôle de l'Italie, mais on l'a déjà le contrôle de l'Italie. En fait, c'est le pays qu'il nous fallait. Oui.
Il faut juste le contrôle du pays. Ouais, ce n'était pas nécessairement l'Empire. Ah mince, mais pourquoi on fait ça alors? Ah, mais parce que évidemment, on va faire durer ce let's play pendant plus de 200 épisodes. Non. Je vous ai piégé, viewer de Favalim. T'inquiète pas, ils s'en remettront. Ah bah j'espère bien, parce qu'ils seront là de pendant un bon moment, moi. oui, je pense. Oui, bui. Comme dirait bah moi, il y a que moi qui dis ce genre de truc. Il y a que toi qui dis ça, oui. Ouais. Du coup, pour destituer le pape, il nous faut juste l'Italie. Ok. Ah, pour destituer le pape, attends, je vais te dire. Non, mais t'avais dit, c'est ça que je parle depuis le début, quoi. Quoi? Tu dis des choses depuis le début? Mais attends, mais je t'écoutais pas. Ah, compris. Alors, démanteler la papauté, il faut un contrôle complet de la région italique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut alors... également la Sardaigne. Voilà, merci. Tu as raison. Oui, Fabali, j'ose le dire maintenant devant toutes les personnes francophones qui nous écoutent. Et au-delà, effectivement, tu avais raison, il nous fallait la Sardaigne. Au-delà, ça veut dire au-delà de la francophonie, tu vois, évidemment, puisque le monde est à nos portes. Bien sûr. Non, mais depuis aujourd'hui... qu'on a fait une série avec Sparte, il y a beaucoup de Grecs qui auraient de la série. Je sais pas s'ils comprennent quelque chose. C'est pour ça que je vais dire au-delà, parce que... Bienvenue. Puis aussi, très certainement des extraterrestres qui nous regardent, hein. J'ai envie de dire ça aussi. Oui, sûrement. Voilà. Bien sûr, moi, ce serait bien logique, sûr, Kyo. Je pense que... Tu es tout à fait normal. Oui, merci beaucoup. De toute façon, il faut bien qu'il y ait des gens qui viennent découvrir notre Terre plate. Hein. Voilà, bien sûr. Alors là, on va se faire signaler. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Je vois pas aussi, moi. Mon Dieu. On a perdu Timmy comme ça. Quoi. Bon, en fait, on vient de perdre 40 abonnés à cause de moi. Hein, parce que j'ai voulu faire mon Kyo. Voilà. Ah, mon fils est beau et beau-frère est mort. C'était ça. Alors dites-le moi en commentaire si au bout de 7 minutes de la vidéo vous êtes toujours là et que vous avez compris la blague de Kyo. Mais il y a pas de blague, c'est ça la blague. Mais arrêtez de faire des enfants. Mais c'est quoi ces gens? Je vais arrêter de sont à côté de chez toi. Il faut les assiéger là. Ils attaquent. Ils attaquent. Mais non. Ils attaquent. Mais non, ils attaquent pas. Ils sont à côté. Il y a ton armée. Mais oui, mais on tient l'objectif. Oh là là. Bon, j'y vais, d'accord. Ah, voilà. Nanana. Ils attaquent, ils attaquent. Ils attaquent. Ils sont à nos portes. Seigneur. Que peut-on faire? Bah. Fermeture des ports. Fermeture des frontières. Alors. Enfin, plutôt assassinat des guerriers qui assiègent Modrus. Modrus et Bouchkouzus. Oh purée, j'ai vraiment fait cette blague. Arrête avec ces blagues, Kyo, quand même. J'en vais perdre 200 personnes là, quoi. Ouais, faut que j'arrête. Purée, on avait 200 personnes. Ah, ça, c'est. Ouais, Ah, en moyenne, il y en a quand même 100 qui regardent la série. Alors, ça va. De mon côté. Oh bah. Bah, c'est cool. GG. Vraiment très cool. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, n'oublie pas de voir la KyoVision. Voilà. Il se passe des choses bizarres sur la KyoVision, on sait jamais. Mais oh. Et pourquoi pourquoi on se fait attaquer? Et pourquoi où est passée l'armée d'Athéna? Vous voulez savoir? Cliquez sur la description et allez dans la KyoVision. Oh là 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 là, c'est beau ce que tu dis quand même. C'est beau. Et n'hésitez pas à aller voir Favali un jour, hein, si jamais un jour je réussis un à jour. Avoir des abonnés. Un jour, j'aimerais. Un jour viendra, j'aurai probablement jour, des abonnés. Alors, je dis ça, mais en fait, je suis très content de la commu. Hein. Je suis très content de vous. Ah, merci. J'ai un chat. Bah tiens, comme tu l'as appelé Kyo, je vais l'appeler Favali. T'as eu un chat que t'as appelé Kyo. Voilà, c'est parfait. Oui, c'est ça. Voilà. Parfait. Il est très gentil. T'as vu, hein, je suis quelqu'un d'incroyable. Faut pas avoir peur de le dire. Incroyable, c'est un petit mot quand même.
dirais exceptionnel. Oh, oh purée, ah, tu me fais plaisir, mon cher Favel. N'importe quoi. Oh là là, je me sens pousser quelque chose en moi que je devrais pas. Sûrement. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ouais, pareil. Voilà, n'hésitez pas à écrire vos plus belles fanfictions en commentaire. Ouais, fanfiction. Fanfiction sur quoi? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de le savoir. Sur Kyo. Ah, sur Kyo. Et après, on va dire, Kyo est tombé sur la tête. Bah, évidemment chanson, que je suis tombé sur la tête. Et c'est marqué Favali, mais il doit être empereur. Kyo ne comprend plus l'existence elle-même du monde. Quelle existence? Quel monde? Voilà, bah, tu vois le truc. Alors, si vous êtes 10 à tous marquer destituons Kyo d'émission, ça passe. Kyo d'émission. Kyo explosion, quoi. C'est ça. C'est ensemble qu'on pourra réussir. Bon, va falloir que je bute des gens, là. Que je déshérite des voilà. gens. Voilà. Arrêtez de faire des enfants, les gars. Toi, je peux t'éduquer ou pas? Retirer Twitter. Visiblement, il y a déjà quelqu'un qui est en train de l'éduquer. Toi, t'étais fort ou pas, toi? Non, t'es moins bien que lui. Déshérité. Voilà, Rome est converti à la culture spartiate et converti à la religion. Parfait. Bientôt. Ouh là là, mais attends, moi je suis trop vieux pour cette connerie. Attends, je suis obligé de mettre un petit peu la pause de seconde. Ça comptait voilà. Un an, mais ça va encore. Et toi, mon fils et pupille, juste ou tempéré? Tempéré, c'est bien, tempéré, voilà. Et on a le dudu, on a le chéché, on a le duché. Duché, waouh, magnifique. Maintenant, il faut attaquer... Est-ce qu'on peut faire une grande guerre pour la Grande Moravie? Ah oui, non, mais toi, tu... Mais attends, on a des trucs à faire, déjà. Ce serait bien qu'on puisse je te demande juste, pas maintenant. Mais est-ce que tu as des possibilités de faire une grande guerre contre la Grande Moravie? La Grande Moravie, elle est où déjà, la Grande Moravie? Elle est en... Oui. Moi, je sais pas où elle est, la Moravie. La Grande Moravie est là, ok, oui. C'est nos voisins. Alors, déjà, il faudrait que mes armées ne soient pas levées, ce qui pour le moment est le cas. Donc, on va déjà faire état de cet état de fait. Faire état de l'état de fait. Voilà. Merci Kilo. De rien. Un plaisir. J'espère que vous êtes content de mon existence. Et quel est cet état de fait? Oh là 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 là, t'en poses des questions. Bah moi je pose une question comme ça. Hein. Pas forcément de réponse. Hein. Bah il n'y aura pas de réponse. Voilà. Alors la Grande Moravie, guerre ou pas guerre? C'est la question finalement. Alors, guerre. Alors je peux pas faire de. Ah, de grande guerre sainte, tu voulais. Toi, tu voulais la guerre. Classique. Une guerre pour prendre un duché, un royaume ou autre. Un royaume serait préférable. Le maximum que je puisse faire pour le moment, c'est le duché. Ce qu'il faudrait, c'est que qu'on rajoute par l'épée. Il faudra prendre le duché de Carnilo. Et par l'épée, c'est dans 9 ans, donc on pourra. À prendre le duché de Carlino. En train de dire chez moi là. Le duché. Il me cherche. Attends, je vais défendre notre intégrité territoriale à Lisieux. Oh, toi aussi des problèmes de révolte. Non, moi, c'est surtout ceux qui sont en train de nous mettre la misère là en termes de guerre. Parce que bon, vu le mal que t'as eu à conquérir la Normandie, je pense que t'as pas envie de la perdre tout de suite. Oui. Merci. De rien. Ça et c'est pour ça aussi que je suis génial. Avec moi. Oui, tu es génial, Kyo. Voilà. Tu le redises? Non. Mais bon. D'accord. Après je vais penser que ça va pas être sincère. Quand tu dis dans
combien de temps tu peux faire une guerre pour... 9 ans. Guerre de royaume infinie dans 9 ans. Infini. Je ne donnerai pas Favali. Par l'épée, c'est tu fais des grandes guerres saintes comme tu changes de chemise. Hein. Enfin, des guerres saintes de pays comme tu changes de chemise. Mais c'est vrai qu'on est catholique, là. Oui, mais pas. On est pas catholique, nous. Non, mais ça raconte les catholiques. Oui, mais c'est pas grave, ça. Enfin, pas la grande guerre sainte, je veux dire, les guerres de pays. C'est surtout ça, les guerres de pays. Avec ton prestige. Et pas avec la religion. Non, avec, avec la piété, avec ma religion. Les guerres saintes de royaume. Genre les guerres saintes classiques. Celles que tu peux faire qu'une seule fois. Guerre sainte pour un royaume, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ok, bah, du coup tu vas prendre le royaume de Bavière, c'est ça ? On va prendre tout. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. On va prendre absolument tout, tout, YouTube. Non, je me tais. J'arrête. Yo. Oui, t'as eu. Qu'est-ce qu'on a dit ? Je sais pas. Pas de blague. Mes blagues, oui. On est spartiate ici. Pas de blague. Pas de blague. Ah, bon. Est-ce qu'au moins je peux avoir du chocolat ? Pas de blague pour les blagueurs. Bon. Tant pis. Vous avez vu comment il est, Favel ? Un tyran. C'est lui que vous voulez au dis celui qui est empereur. Alors, ma libération. Quelle libération ? Je lui lance, si je lance une guerre de libération. Oh, je peux même pas rejoindre une faction, c'est honteux. Ah bah voilà. Et t'appelles ça un tyran. Toi, le tyran. Moi, je ne tire rien du tout. Merci. Voilà. Je suis un homme qui ne tire pas. J'ai commencé à influencer le pape. Parce que je vais tâcher de me rabiboucher un tout petit peu avec lui quand même. Ah bah c'est bon, les vikings sont plus de 2000. Ouais, là je vais les... La Normandie, cadeau. Alors, pas encore, hein, il faut encore dessiéger tous ces endroits. C'est paysan. D'ailleurs, les vikings, j'ai envie de leur casser la figure. C'est moi le pape, il récupère des comtés chez nous. Ah non, c'est bon, j'ai peur. Enfin oui, certainement, mais... Il faut le détruire. Il faut le détruire, oui, mais... Je te fais confiance une fois que tu as Sardaigne que tu as là actuellement. Sardaigne est prise. Ouais. Que le Vatican brûle, vous ne remplissez pas toutes les conditions. Ah, il faut que le pape n'ait plus de terre. Ah, d'accord. Ah mince, c'est juste ça. Oui. Ah bah, on est mal. Bah non, le pape, après, je peux, dès que la trêve est finie, révoquer. Je peux lui révoquer le titre. Après, il sera peut-être pas content, mais... Il sera sûrement une guerre qui va se déclarer. Oui. Bah, genre tout de suite, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, il y a une guerre tout de suite, ouais, 39. Ça a l'air d'être bien. De quoi, 39 ? On va s'amuser. Bah, ils sont 39. 39% de puissance comparé à toi. Dans la guerre d'indépendance. Bah voilà, Kato. Parfait. Parfait. Tu vois, je lève toutes mes troupes, finalement. Actuellement. Je pars en pèlerinage parce que, quand même, ce que je fais, c'est un petit peu anti-catholique. Voilà. C'est bien. J'ai ça. Faut aussi Alexandrie et Alexandra un jour. Toujours ça. Il est temps de partir. Ah oui, mais du coup, ça sert à rien que j'essaie de me rabibocher avec mon pape. Bon, écoute. Révoquer titre. L'évêqué principaunier de Teramo, c'est à moi ça. Quoi ? Vraiment ? T'es pas d'accord ? Bon, bah écoute, tant pis pour moi. Bizarre. Ah ouais. Je rejoins la guerre de mon allié. Attends, pause, je suis... Qu'est-ce que j'entends de... Favali, à l'aide. Au secours, Favali, viens là, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. C'est ça que tu voulais entendre Merci. Je suis un homme qui dit ce que les gens veulent entendre. Ah, mais t'as rejoint la mauvaise guerre, là, dis donc. Quoi? Attends, là, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a quelque chose qui va pas, là, dans cette histoire? Oui, je t'ai trahi. Quoi? C'est le pape qui m'a envoyé un truc. Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a envoyé le truc. Ah, je savais pas, moi. C'est pas ma guerre. C'est pas grave, achève-le. C'était pas ma guerre. Pourquoi à chaque fois je suis invité dans des guerres bizarres?
Et pourquoi à chaque fois t'es obligé de rejoindre des guerres contre ton empereur, quoi. C'est... Là, bah, je sais pas, moi, c'est le jeu. Oh, Abba Kyo. Bah ouais, non, mais je comprends pas. Il faut décapiter le roi. Quoi? Mais je suis pas. Vive la République. Je suis allié au pape, mais comment c'est possible? Je suis même pas gâteau. C'est pourquoi? Pourquoi? Mais j'en sais rien, moi, pourquoi. Mais moi aussi, j'en sais rien. J'ai l'impression que le jeu est bizarre. Et j'ai mon fils qui a péri, bah super. En plus, on est même pas assez nombreux pour te battre. Ouais, mais dis donc. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je veux vraiment faire venir l'Ordre Sacré Helléniste pour aider les catholiques. Bah oui, évidemment, c'est logique. C'est n'importe quoi. Mais oui, évidemment, c'est logique. Bon, on va falloir ce monde. Règle son compte au pape. Là. C'est-à-dire qu'en gros, le pape se libère, mais il est aidé par l'Ordre Sacré de son ennemi qui l'a emprisonné, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Tout est logique. C'est logique. Oh, purée. En vrai, je vais pas prendre Brissios, hein. Je vais retourner à Constantinople parce que j'ai l'impression que c'est là où il veut aller. Non, bah tant pis, je vais être en prison. Bon, ouais, t'inquiète. Cette fois-ci, c'est moi l'empereur. Disons que t'auras une punition un peu moins vénère que simplement la perte totale de ton royaume, tu vois. Oh mon dieu. Hop, antiquaire. Voilà. Méchant CK3, arrête de me jouer des tours. Pas bien. Bon bah vous la vouliez, ben vous l'avez eu, hein, la guerre. Je pense pas qu'il la voulait comme ça. Non, oui, c'est vrai que c'est un petit peu. Ah, et puis évidemment, j'ai des factions dangereuses derrière qui arrivent. Bah, oui. Libérez président. Libérez le pape, libérez. Terrible cette histoire. Mais eux, c'est. Oh qui, non. Faction catholique sarde. Mais purée, mais les catholiques là, ils commencent. Sarde en plus, hein, je sais pas. Ah, ils m'invitent aussi. Tout le monde m'invite. Mais non, mais. C'est quoi ces gens? À la base, j'étais pacifique. Bon, ils se sont dit, les Spartiates, ils viennent dans toutes les guerres, ils ont pas besoin de savoir contre qui ils se battent, ils viennent quand même, quoi. C'est ça, quoi, c'est logique. À partir du moment qu'il y a de la bataille. Voilà, bon, je commence à devenir quelqu'un d'agréable. Agréable. Tu l'as toujours été. Non, oh, c'est gentil ce que tu dis. Un cadeau. 200 d'or pour soutenir la guerre. Merci. Quelle guerre. Bah, il donne des cadeaux. Ah, oh, il me donne carrément un artefact. Le Doux de Toulouse, me donne un artefact pour soutenir la guerre, merci. Ouais, dis donc, c'est sympa la fidélité pour l'empereur. Escalibur, mais bah dis donc. Escalibur, quoi, calme, oui. Voilà, tranquille, quoi. Bon. Oh, petite. C'est ça. Oh, plus d'épée, tiens. Pas en guerre, voilà. Allez, Zoubi. Non mais désolé, moi j'ai fermé ce clic, désolé. Le pigeon voyageur, j'ai cliqué trop de fois dessus et du coup, il est reparti tout seul. J'ai pas compris, moi. Enfin, comment il pouvait savoir au Moyen-Âge qui était avec qui, hein. Mon dieu. Mais non, mais arrêtez d'être dangereux, les factions, là. C'est pas le pigeon voyageur qui va changer quelque chose. Oh là là, je vais évacuer mon stress tellement que c'est stressant cette situation, voilà. Allez, un petit match d'entraînement. Et je m'en sors victorieux, c'est normal. Jeu, set, et match. Qui aurait... Oh là là. Allez, toi, tu deviendras mon nouveau maréchal, même si tu vois pas le coup. J'ai plus de médecin de la cour, évidemment. Ce sera toi. Bon, j'ai demandé au pape de l'argent pour financer la guerre. C'est drôle. En même temps, c'est le pape, quoi. Il est pété de thunes. C'est bien ça, c'est bien le mot, pété de thunes.
Je vais embaucher les ordres sacrés. Il y avait un mode à l'époque pour jouer le pape. Maintenant, il est plus mis à jour. Du coup, il n'y a plus qu'un mode pour jouer le pape. Mais avant, il y en avait un. Oh, c'est dommage. Mais oui, je t'avais fait un let's play là-dessus. Hein. Il me semble. C'est trop drôle. Mm. C'est trop drôle parce qu'en gros, tu reçois même les notifications. Bon, tu reçois 3 tonnes de notifications de des sujets catholiques en disant tiens, indulgence ou pas. Et du coup, tu pouvais avoir tellement d'or avec l'indulgence ou les autres. C'est incroyable. J'avoue. Chaque fois, tu gagnes 100 d'or par indulgence. Ouais, bah ouais, bah c'est avec la communion. La communion, quand tu obtiens comme principe de religion ça, enfin l'un des 3 trucs là, les doctrines ou les principes, je sais plus comment ça s'appelle, les principes, bah en fait, avec ça, tu peux justement avoir des gens qui te demandent de leur. Enfin, qui te donnent de leur tout le temps, quoi. Et tu peux vraiment gagner énormément d'argent de cette manière, hein, c'est assez pété. Mince, 151 le pèlerinage, mince. Oh, bah tant pis. Il est en guerre déjà contre qui? Vous êtes en guerre contre des vassaux, moi. Non. Todox, machin. On a l'attaque. Susso traître. Mille hommes, oui, quand même. Ouais, guerre déclarée, l'empire musulman m'attaque. Oulala là là. Ouais, super, on s'amuse. Il t'attaque pourquoi? J'en sais rien, j'ai pas regardé. Guerre de récupération, une relique, non mais une relique quoi. Il aura jamais ma relique. Ah mais c'est pour un manteau béni du prophète. En fait je peux lui donner un manteau béni. Dès que pour ça t'es ouais, je taquais pas un manteau. Ouais je m'en bats les reins de ton manteau, de je peux te le donner pour un manteau. Bah écoute moi je me rends hein. Pas de soucis. Attention tu vas devoir payer de l'argent. Non c'est bon. Et tu perds 350 de prestige et 1200 d'or. Après bon. Non je perds pas 1200 d'or, absolument pas. Je perds 350 de prestige, mais je perds le manteau béni du prophète, mais tout va bien. Donne-leur leur manteau. Allez, voilà, tiens. T'aurais pu demander gentiment quand même, hein. Voilà. Voilà, on aurait pu s'arranger autrement, tu vois. Pas besoin d'être aussi belliqueux. C'est que, au moins t'as une paix blanche avec eux, c'est déjà ça. Oui, voilà. C'est vraiment les mecs qui viennent pas pour le territoire, ils viennent juste pour le manteau, quoi. C'est ça. Pourtant, c'était le bon moment de venir pour le territoire, hein, avec ce que je suis en train de subir actuellement. Genre la traîtrise de mes compagnons. 2 millions de morts par un manteau. Ça aurait pu être ça. Des villages ravagés par un manteau. Bah oui. Mais bon, j'imagine qu'au moins il a des bonnes poches, ce manteau, j'espère. Bah oui, bien sûr. Double poche. Double poche. Waouh. 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 C'est beau. Je suis brave ou pas? Je suis brave. Oups. Oula. Oh mince. C'était peut-être pas une bonne idée ce que je viens de faire. Ben, je suis commandant de mon armée. Ok, non, c'est bon, je suis pas mort. J'attaque les gens de ma famille. Alors, j'attaque pas les gens de ta famille, j'essaie de faire en sorte que la guerre se termine le plus rapidement possible. En fait, ce sont mes vassaux, qui sont aussi dans la guerre. Bah... Et même le vassal Bretagne qui est dans... Bah, non, lui, il est pas dans la guerre. Mais je m'excuse, mais d'un autre côté, il faut que je bosse, quoi. C'est... Bien sûr. Je bosse. Ah, Zeus. Oh non. Oui, un secret dévoilé, ce qui s'est passé. Ah, c'est bon. J'ai eu peur. Oh là là. Zeus là. Qui l'aurait cru que les gens veulent pas que le pape se fasse dépapiser. Dépapiser. Mm. Ouais, que le pape ne se fasse pas dépapoter. Dépapoter, ah c'est encore mieux ça. Ils sont tous hellénistes. Hein. Disons qu'ils veulent pas que le pape sorte par la soupape de sécurité. Oui, on a compris. «
j'en ai pas d'autres. Pourquoi on joue en vitesse 1 là? Ça, c'est moi qui fais ça. Je pense que c'est toi qui bug parce que j'entends ta voix bizarre. Alors... Ah, mince. On va se mettre en 1 pour éviter que tu bugs trop. Non, c'est toi qui bug. Bah non, c'est pas moi qui bug. Moi, je ne bug jamais. Ma connexion est. Bien sûr. Et on met en 3. On était bien en 3. Quoi? T'es sûr? Bon, on est bien là en 1, tu vois. Moi, je trouve que ça se passe correctement à mon rythme, tu vois. Non mais arrête. Je sais que sur ton télésplay, t'aimes bien avancer en vitesse 1, faire 300 épisodes, mais bon. J'ai jamais fait un let's play de 300 épisodes. Alors voilà. Ceci dit, je ne dis pas que j'aime pas avancer en vitesse 1. Ça. Allez, mais vitesse 3. Allez, c'est parce que tu me le demandes. Hein. Mais d'abord, je recrute mon chevalier. Mais voilà, il faut bien les frustrer un petit peu aussi, nos viewers. Vous êtes mignons, on vous aime, mais qui aime bien, châtie bien. Ouais. Ah, je suis en guerre, je peux partir un peu le rinage. Ah, mince. Kyo. Oui. Et pourquoi t'es en guerre? Je sais pas, bizarrement. Ouais, moi non plus, je sais pas. Tiens, bizarrement, t'es la seule alliée du pape actuellement en train de soutenir l'effort de guerre. Ah de bon? Son côté, évidemment. Et comment on fait pour arrêter de soutenir? Je veux pas soutenir! C'est un mauvais pigeon, il s'est trompé de... J'en sais rien, moi. Je ne suis pas ton chancelier. Mais... C'est trompé de pigeon. On s'est trompé de pigeon. Non, ça suffit comme ça, allons-y. Est-ce que tu penses qu'on peut gagner une guerre sainte contre eux? Aux acharettes. Il y a des chances, oui. Il y a des chances. Oui, on peut les exploser. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a encore les orthodoxes là-bas. Il y a un territoire orthodoxe libre, indépendant. Nani. Eh oui. 98%. Le reste. On a combien de territoires? 364 territoires catholiques. Et nous, on a 299 territoires hellénistes. Encore du boulot. J'en connais une qui va finir en prison. Moi. Non. Est-ce qu'on dirait pas que c'est la fin de l'épisode? Non. Bah, mets-moi en prison, après on met la fin de l'épisode. D'accord, c'est parti. Pause. Voilà. Moi, oh non! Se passera-t-il m'a capturé. Au prochain épisode, lorsque le courroux s'abattra sur Favali. Comme s'il y avait un truc aussi violent qui allait se passer. Bon, ne loupez pas le prochain épisode. Des bisous à vous et à la prochaine. Ciao! Au revoir!